Il m'a donné de la confiance, ce prix, de continuer mon chemin, pas seulement comme artiste, aussi comme mère, parce que j'étais enceinte de mon premier enfant. Et puis, ça m'a donné cette sécurité, je vais arriver à gérer les deux vies en parallèlement, en même temps. Une, c'est dans les objets cultes. C'était des objets où je prenais des différents éléments qui venaient du ménage, du quotidien, des différents métiers, de l'industrie. La deuxième piste, c'est je fais des installations avec des produits artificiels, comme le plastique. Et la troisième piste, c'est je fais des interventions, on disait art participation dans l'espace public, mais avec le même médium. C'est toujours du plastique et j'interviens là-dessus. Moi, je crois qu'on ne peut pas choisir. Ça, on ne peut pas choisir. C'était toujours là. Et puis, je savais, pour moi, il n'y avait jamais une question de faire autre chose. Je ne sais pas, pardon, ça me paraît bizarre, mais c'était tellement normal et clair que je faisais ce chemin. Et de plus en plus, il vient encore plus clair. Je ne sais pas, mais c'est ma passion, tout ça. On ne peut pas faire autrement. Ça vient tellement profond. Et c'est ça qui est merveilleux. Ouais.